Ça parle de là. Donc, comme dit, là aujourd'hui, on était rendu. Ouais, on avait changé un peu le planning. Au début, on devait faire les règles de IP Tables, puis finalement, on fait le debugging avant que je parte en congé là. Normalement, il se peut avoir moins de fautes aussi dans le test, parce que j'ai fait plus d'efforts. Mais bon, faut pas trop quand même regarder. Je suis quand même passé vite. Au cas où. Je vous donnerai le lien, mais là pour le moment, faut être enregistré dedans pour pouvoir le voir. Mais quand je dis tout est aussi sur Moodle, fait qu'il n'y aura pas de problème là. Le concept que j'ai voulu faire, c'était partir d'une demande qu'on recevrait d'une demande client, comme on peut le voir ici, genre, tu sais, on reçoit une demande, le serveur web est down, faut le corriger, c'est urgent, là, parce que j'ai trouvé que c'était très important d'écrire c'est le urgent, parce que faut. Ah, ping! Hey, j'ai pourtant il y a antidote, hein? Hein? C'est. Ah, ok. Donc, est-ce que bon, j'ai voulu partir de cette idée-là, puis de construire là-dessus. En fait, c'est ce que j'essayais un petit peu de m'imaginer dans la tête quelle étape on allait faire pour essayer d'avoir un petit peu d'organisation dans la structure. Donc, ce que j'ai voulu faire, donc bon, premièrement, bon, il y a le site web, bon, s'il y a peu d'informations, ce qu'on va essayer de récupérer au niveau de l'usager, c'est bon, l'URL utilisée, le résultat à l'écran et le nom d'usager, mot de passe, s'il y a une authentification. Donc, ça serait des choses que à partir de la demande reçue avec peu d'informations qu'on voudrait avoir. La première chose qu'on va valider, c'est la résolution du nom. Donc on a la commande dig sur Linux qui va nous permettre de faire cette opération. Donc c'est l'équivalent du NS lookup du Windows. Personnellement, c'est sûr que je préfère dig, là, mais pas juste par esprit libriste, mais surtout pour une question d'information que je trouve qu'on a plus d'informations. Dans le cas du. Ah oui, loop up. Non, c'est look up. Ouais, c'est look up. Merci. Je changerai après. Donc, si on voit le résultat de dig, par exemple, si je fais une résolution pour qu'est-ce que le hostname www.linux.org, ce que je trouve intéressant, c'est que dig me fournit pas uniquement l'adresse IP, mais il va me fournir aussi le lien, en fait, la démarche qu'il y a eu. C'est-à-dire que www.linux.fr, ça correspond au cname prod.savoir-faire, c'est pas savoir-faire, linux.fr.org, et après, on a l'information du prod.linux.fr avec l'adresse IP réelle. C'est-à-dire que si j'avais eu un CNAME erroné, donc que prod.linux.fr.org avait pas eu de résolution, ben Dick m'aurait quand même renvoyé le CNAME, mais j'aurais pas eu d'adresse IP. Donc en fait, on peut comprendre que, ah ok, donc j'ai un CNAME, mais l'adresse IP associée n'est pas présente. Donc c'est quand même un outil de diagnostic et c'est arrivé plusieurs fois ici où on avait fait justement le CNAME mais pas d'attribution au niveau du CNAME, d'adresse IP au niveau du CNAME. Donc c'est intéressant pour ça d'utiliser dig. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'utilisation, la présence ici, on voit 900, 900, c'est la présence des TTL, en fait du time to live. C'est le temps que l'information, j'ai fait une requête, elle est conservée dans le cache des DNS. Celui Donc, cette information étant conservée dans les DNS au niveau du cache, même si je refais une interrogation de la résolution du DNS, il me renverra toujours la même information. Il ne va pas aller repouler les serveurs principaux de Linux-FR. Donc, il va falloir que j'attende au moins 900 secondes avant qu'il me refournisse l'information. Je peux flusher le cache sur ma machine, mais si j'interroge un serveur DNS distant, lui-même va conserver cette information pendant le temps. Pourquoi? C'est pour éviter que les serveurs DNS reçoivent continuellement plein de requêtes et répondent à tout le monde. Ben, on dit, ben, garde là pendant 900 secondes, là, puis viens me repoquer la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment pour alléger le trafic d'Internet, puis surtout alléger les demandes des serveurs DNS. Si je refais la résolution du Linux-FR, on voit le time to live a changé. Donc maintenant, il est à 553. Donc ça, c'est intéressant pour le voir évoluer, ce time to live. OK?
Dans le cas de Facebook, bon, c'était pas un choix là, quoi, oui. Non, c'est des secondes ici. Ah, excuse. Ma première requête, ouais, parce que ici, j'ai. Ouais, c'est pour le texte en dessous, ouais, c'est ça. C'était pas un choix d'utiliser Facebook, mais j'ai eu un manque d'inspiration pour trouver un site web d'ampleur et Google me fournissait pas le même output, fait que j'ai dû me rabattre sur l'Empire du Mal. Là, on peut voir ici une résolution en fait de mon Facebook.com qui me donne une résolution du CNAME vers star.cdcer.facebook.com. Donc lui, en fait, il a l'association vers le CNAME a un time to live de 3120 secondes. Mais si je regarde au niveau de l'entrée pour star cdcer, lui, il a un time to live de 15 secondes. Donc ce qui va permettre que si on a de diviser la charge, en fait. Donc quand on va pouler, c'est du round robin DNS dans le buzzword là. Ah, j'ai pas mis le lien, non, j'ai pas mis le lien. Je ferai le correctif. De pouvoir diviser la charge comme ça sur, on va sur un site web et bon bah pour une fois il tape sur l'un, pour une fois il tape sur l'autre. Donc selon les adresses IP pour pouvoir diviser ta charge avec l'utilisation des DNS. Le bon côté c'est que ça permet de distribuer ta charge. Le mauvais côté c'est que si tu as un serveur qui est down, bah, les DNS ils font pas la différence. Donc il va continuer à envoyer les requêtes. Il va falloir que si le serveur il est down, que update tes DNS en conséquence. Mais généralement tu as des load balancers aussi pour les défendre quand tu as une grosse infrastructure de type comme ça pour pouvoir faire la distribution de la charge. Donc mais par contre c'est vraiment intéressant. Là on le voit ici. Donc là j'avais 31,15, j'ai un time to live donc de 2 secondes. La prochaine fois que je vais faire ma requête, une seconde, j'ai attendu, j'étais hop. Puis là on voit ce que j'arrive. Ouais. On voit bien que pour facebook.com, ma résolution pour le même CNAME star, il m'a donné 31,13 et là maintenant j'ai 31,13, bon là c'est 74,49 et maintenant j'ai 71,33. Et dans 60 secondes, il va changer. Okay. Donc ça c'est une information intéressante que Dig va me fournir pour voir pourquoi t'es tel client il dit ben parfois ça marche, parfois ça marche pas. T'sais, ben ouais effectivement ouais si tu fais quelques requêtes tu te rends compte que le DNS il tape pas nécessairement toujours vers le même serveur distant. Là on est habitué à dire ah oh, t'as une adresse IP à un serveur, mais si tu tombes sur une infrastructure plus volumineuse, la dynamique est différente. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans Dig. Des questions? Non, c'est ça. En fait, c'est que Dig me fournit l'ensemble des informations et aussi j'ai pas fait mention, mais j'ai aussi les serveurs d'autorité de qui. Ouais, là on va le voir un peu plus tard, d'autres informations que Dig peut me fournir. Donc ce que je trouve, c'est une application un petit peu couteau suisse au niveau DNS qui va pouvoir me fournir plusieurs informations. Donc je pourrais avoir la situation où le client me dit, ben moi j'ai telle information, j'ai telle résolution de nom, et on n'aurait pas la même adresse IP. Pourquoi? Bon, ben, est-ce que ça serait du round robin DNS? Est-ce que ça serait parce que moi j'ai des DNS X qui sont configurés pour mon réseau alors que lui il a d'autres serveurs DNS? Si on prendrait par exemple le cas de si on a des machines à Paris, donc un client à Paris, lui ses serveurs DNS est probablement pas le même que les machines à Montréal. Donc avec Dig ça me permet, ben, tout comme ENS Lookup, hein, il n'y a pas vraiment de différence, mais en utilisant le A commercial de aller interroger un autre serveur distant. Donc je lui spécifie, je veux que tu fasses la résolution, mais prends pas les configurations locales, mais va voir vers tel serveur pour faire ta résolution. Qu'on en profite pour voir Dig au complet. L'utilisation de Dig pour récupérer, savoir c'est qui le serveur de courriel.
Donc le protocole, attends, j'ai pris RFC 974, ça fait bien de le dire. J'ai même mis le lien, tant qu'à y être, là, je me suis dit, tant qu'à, parce que je le savais pas par cœur, j'ai dû chercher. Donc le me permet de savoir c'est qui le serveur MX, donc le serveur de courriel d'un nom de domaine. Donc dig et je fais la requête pour le MX du serveur Tux Family et là. Question, la réponse ici. Ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai utilisé Tux Family. C'est que ça me permettait d'avoir une visualisation de 2MX. Donc ici, j'ai deux serveurs de courriel pour Tux Family, 10 et 15. Le protocole dit, ben, prends le plus petit. Donc la valeur la plus basse, ça c'est le serveur primaire, le deuxième et le secondaire. Il va d'abord essayer d'envoyer le courriel. Si le courriel, bon, pour une raison quelconque, il n'arrive pas à le rejoindre ou le serveur refuse, disant comme quoi il a trop de load, il va communiquer le deuxième, donc le MX2, comme serveur de backup. Okay. S'il n'y avait pas eu de résolution MX, dans ces cas-là, il aurait utilisé la résolution pour Tux Family. .net tout court. Donc le protocole RFC, ça dit demande pour un MX. Si tu ne trouves pas du MX, prends le domaine sans hostname. Donc pas de www, pas de merle, point, quelque chose. Il prend juste la résolution du domaine vers le A-record, vers l'entrée de la machine. Ça va? Plus en détail, l'utilisation de dig pour récupérer de l'information, en fait de l'information texte qui a été mise sur un serveur DNS, ça sera de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, c'est moins utilisé, c'est surtout utilisé pour les SPF. Ah, j'ai pas mis le lien ici. Ah, le lien, il est là, là. En fin de compte, c'est pour définir qui a le droit d'envoyer des courriels. Par exemple, Google, je peux envoyer des courriels à partir de ces adresses IP-là sous le nom de Google. Et il y a une validation à peu près, je veux dire, pour les scores de DNS, de spam. Il va dire, bon, ben, si ça vient des adresses IP listées là, hop, il va dire, ok, bon, ben, je leur fais très confiance. Sinon, ben, là, il y a moins de confiance, comme quoi ça peut venir d'ailleurs. Il y a certains sites aussi où ils disent ça ne vient que de mes serveurs que j'ai listés là. Si ça vient pas de chez moi, ben fais vraiment pas confiance parce que tout le monde utilise les webmerles, etc. Donc il y en a. Oui, tout ça, toutes ces informations sont à l'intérieur du DNS. Tu pourrais aussi avoir du. Je pense que je l'ai pas nommé. Nous, on l'utilise. En termes de suggestions, on va dire si ça, comme un peu Google, c'est-à-dire ça vient de chez nous. Si ça vient de ces adresses IP, bon, ben, c'est cool. Si ça vient pas, ben, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais non, ça bloque pas. C'est juste il y a une valeur plus grande des systèmes d'anti-spam quand ça vient des adresses IP qui sont listées. Ça l'aide. Donc oui, on. C'est le système d'anti-spam qui rajoute ce header. Le DNS fait juste informer les systèmes de contrôle de spam, mais il fait aucune modification sur le serveur de courriel. Tu peux même aussi avoir des systèmes d'encryption où tu aurais ta clé publique qui serait à l'intérieur du DNS pour pouvoir faire de la validation. C'est-à-dire que ça va être utilisé pour certains systèmes de courriel que, bon, ça, il faut que tu aies une infrastructure, en fait. Il faut que tous les courriels sortent par le serveur de email et lui, il appose une signature. C'est DKIM, je pense, qui fait ça. Et donc, quand le courriel, il sort, hop! Le système y signe et les machines à l'autre bout peuvent récupérer le courriel. Il va chercher l'équivalent du certificat en fait via le DNS et ça lui permet de valider la signature et dire ok, ça vient bien du serveur qui dit qu'il est. Le problème c'est que tout ça demande du temps de l'administration et donc ça n'a pas été encore propagé. Mais dans certains métiers comme par exemple la profession notariale ou avocat où il y a ça parfois c'est mis en place. Et dans la section texte, ouais, là, ça a pris du temps avant de trouver
un domaine où il y avait comme la crap, là. En fait, on voit ici ben, FBI.org où il y a bio égal. C'était vraiment juste pour mettre, dire comme quoi on pouvait mettre n'importe quoi. Puis j'avais pas assez de temps pour modifier mon DNS à moi, parce que c'est hébergé chez GoDaddy, j'ai pas toute la main dessus. Donc c'était vraiment pour faire un exemple de tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils l'utilisent, mais je lui demanderai pas non plus. Ok? Oui. L'utilisation effectivement d'autres commandes. Si je sais pas si j'en ai encore. Ouais. Mais je sais pas. Si je peux définir les adresses IP qui seront à l'intérieur, mais la définition sous Linux pour dire c'est quoi la séquence reste dans NSS Switch. Hop. Grep. Donc lui il va dire d'abord cherche dans le fichier, après cherche à l'intérieur des DNS. Donc si on oublie le reste là, ça va être ça qui va faire sa séquence de validation. La commande host suit cette structure. Donc linuxfr.org va me fournir l'information. Mais Dig, lui, va directement demander à resolve.conf. Il va pas aller voir si j'avais fait une autre définition dans le fichier host. Dig, lui, s'il y en a rien à foutre. Là. Tu me demandes pour les DNS, je te donne l'information des DNS. Pas ce que toi, tu as configuré. Si on utilise une application comme Ping ou n'importe quelle autre application, lui, un suit le processus avec NSS switch. Donc on va regarder dans host, etc. Ping étant un cas, mais c'est toutes les applications là. Donc oui, effectivement, on pourrait même regarder à l'intérieur de la machine client s'il y a eu une entrée différente dans le ETC host, voir s'il n'y a pas eu une erreur là. Ok. Ouais, il y a la séquence là, ouais. Ouais. C'est sûr que l'utilisation du dig en fournissant pour s'assurer de quelle adresse, quel serveur DNS je veux qu'il utilise, va extérioriser en fait la toute configuration locale de la machine. Ça peut être une solution, si on peut dire, une méthode. Mais après, c'est comme là, je pull Google, peut-être que nous, pour l'information de la résolution interne, sera différente pour pas que ça sorte avec les adresses IP externes. Donc, encore là, faut voir. D'autres questions? Donc là, je pars du principe que j'ai validé la résolution du nom. Donc là, le client, donc avec son serveur web qui est down, excès urgent. Donc là, j'arrive, la résolution, elle a été confirmée. Maintenant, je me dis, mais bon, ok, il tape bien vers le bon serveur, en fait. Est-ce que les ports sont ouverts sur la machine, hein? Donc pour visualiser les ports, voir si le port il est ouvert, netstat va me fournir l'information, les ports et machines et les processus. Ce qui est intéressant, c'est que en utilisant la commande avec sudo, donc en étant un administrateur, je vais avoir l'information sur les PID ici. Donc je vais directement pouvoir visualiser, oui, le port il est ouvert par une application, et oui, en plus c'est la bonne. Hein? Parce que je pourrais avoir, par exemple, une application qui écoute sur le port 80,
C'est supposé être tome 4, pas de bol, c'est Apache qui a, on a redémarré la machine, Apache il a pris le port 80. Oui, le port il est bien ouvert, mais vu que c'est pas le bon processus, évidemment le résultat à l'écran ou dans le browser correspond pas à ce qu'on s'attendrait. Donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir l'avoir. Puis en plus avec le PID, bon après on peut voir c'est qui l'a démarré, etc. Donc après on peut jouer avec facilement. Si on regarde rapidement les options, ah, il n'a pas fait le retour en chariot. Ah, donc, moins L me permet d'avoir les ports en écoute. Je mets toujours le moins N pour que je la voie en numérique parce que ça me fait chier quand il fait la résolution du nom. Je trouve que je perds du temps. T pour l'avoir en TCP et P pour justement avoir la question du PID, du program name. Je peux avoir la même information au niveau des ports UDP avec le U, puis je pourrais mettre UT là pour avoir UDP et TCP là, bien entendu. Je pourrais aussi voir les connexions courantes. Donc si on regarde ici, je débouterai formation, netstat. Okay. Je vais pas mettre les ports qui sont uniquement en écoute. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les ports, mais j'ai pas mis l'option L. Donc j'ai pas mis uniquement les ports qui sont en écoute, mais je vois les ports, les communications qui sont établies. Donc on voit bien effectivement, tout à l'heure j'ai fait la connexion sur le laptop de J5 pour pouvoir me préparer. Je m'étais vu qu'on avait changé le port du SSH pour 22-22, donc là. Et on voit effectivement, on voit bien, j'ai deux connexions qui sont établies de mon adresse IP locale vers la machine distant. Et effectivement, c'est bien SSH qui utilise ce processus. Donc, en plus de voir les ports qui sont en écoute, je peux voir les ports actifs connectés. Faut juste faire attention quand on est dans une philosophie d'un serveur web. Le browser établit la connexion au serveur web, récupère le HTML puis l'ensemble des images et il coupe sa connexion. Donc, je peux pas nécessairement voir les communications clients qui restent établies. C'est une généralité là, c'est sûr qu'une application pourrait garder une connexion permanente là, mais la vaste majorité des applications web, c'est ils se connectent, ils récupèrent, ils ferment la connexion. Donc c'est plus ou moins pratique pour visualiser. C'est bon? Parfait. Donc, le port est bien ouvert. Donc, normalement, la machine devrait être en mesure de recevoir les requêtes du client. Il recevrait les requêtes du client sur le port. On a validé le port avec le client. Bon, sur le serveur web, ça va, mais si c'est une application à l'interne, on voudrait peut-être valider le port de communication. Mais là, il dit, ben, ça marche toujours pas. Bon, tu dis, putain, fait chier. C'est quoi le problème? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser TCP dump pour sniffer le trafic réseau qui passe sur le serveur. Bon, l'objectif, c'est de voir est-ce que le trafic y passe. Hein, on va pas nécessairement analyser l'ensemble du paquet, etc. Ça, on pourrait le voir ultérieurement. Mais ce que je veux surtout voir, c'est là, il me dit, j'appuie, je fais un refresh, j'essaye de me connecter. Est-ce que je vois du trafic? Est-ce que je peux palper quelque chose là qui arrive. Donc c'est vraiment un outil de debug. Pour ça, j'ai un TCP dump qui va me permettre de faire cette opération. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un TCP dump bon, vers mon serveur web, vers le port 80, et j'ai voulu voir s'il y avait du trafic qui passait. Donc si on refait l'opération, j'espère qu'il est installé. Host, bon, mon site web. Import 80. Bon, la syntaxe, vous pourrez lire le man, lire des exemples. Là, je mets deux critères, hein, que ce soit l'adresse IP vers le host Xerus ainsi que le port. Après, on peut faire une combinaison avec le protocole, etc. Là, donc, ok, cool, il est installé, tant mieux. Donc ici,
évidemment, j'ai pas de trafic parce que je ne suis pas en train d'établir une connexion. Si je m'en vais sur le site, virus, hop, point, 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 point. Pourquoi j'ai pas de trafic? J'ai mis en 80. Ah, parce que pourquoi? Ça, c'est un très bon point. Le problème, c'est que j'ai deux interfaces configurées. J'ai l'interface ETH0 qui est mon fil entre mes deux laptops de formation, et j'ai le WLAN qui est le wireless, donc pour avoir les dedans de l'internet. Et par défaut, il m'a juste sniffé à l'intérieur de ETH0. Donc, je vais mettre WLAN 0 pour dire je veux que tu sniffes l'interface externe. Yeah! Yeah! Ok. Ça me rassure. Parfait. Donc là, on voit. Peu importe là si on comprend ou non le trafic là. Ce qu'on voit là, c'est que ça bouge. C'est ça l'important. Là. Après, tu peux te dire, ben, ça arrive. Là. Hein, on est juste processus de haut niveau, là, mais c'est vraiment ça l'important. Là. Après, on peut lire plus en détail. Oui. Exactement. On va voir après la question que tu peux voir. Effectivement, comme tu dis, on voit bien que j'ai mon paquet qui part vers Goban, qui est le vrai nom, le host nom du serveur. On voit bien que ma machine établit une connexion sur le port HTTP, et on voit bien que mon serveur Goban répond à ma machine, et que ma machine, bon ben, un répond, puis là, hop, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, etc. Il y a un échange de tu me parles, je te parle, tu me parles, je te parle. Ok. Je pourrais pas. Qui serait pas pareil si je communiquais sur le port 8080, par exemple. Je vais juste faire un. Net. C'est russe. Ah ben non, je vais le faire dans le browser. Tant qu'il y a... Ah, c'est moi qui ai fait l'image. Oui, ça paraît. Mais c'est pas grave. Donc là, je communique sur le port 8080. On voit, ça tourne dans le beurre. C'est aussi mon image. Et si je regarde au niveau... Donc, on peut voir, comme je l'ai mentionné à Ariel, ici, ben, oups, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me... Bon, si on regarde en bas, on voit que c'est toujours ma machine qui va pouler Goban, mais Goban, il me répond jamais. Normal, parce que le port 80, il n'est pas ouvert. Fait que, puis, je time out les requêtes, je drop tous les packs. Donc, au moins, on peut analyser de voir que j'ai pas de communication qui se fait. Je vais l'arrêter parce que ça sert à rien. Le problème de ça, c'est que visuellement, c'est pas très beau en fait. Je veux dire, si on veut aller plus loin dans l'analyse, s'il y aurait un message d'erreur, ça serait un peu compliqué. Donc, avec l'option W, comme qui est ici, je peux faire un dump de ce TCP dump à l'intérieur d'un fichier et l'ouvrir avec une application quelconque qui est visuellement plus agréable. Là, je l'ai... Je vais juste l'installer. J'espère que ça ne sera pas trop long. Donc, si je refais la même opération... Donc, TCP dump. Ah, évidemment, faut être root pour pouvoir sniffer le trafic réseau. Là. 80, moins W. Ah oui, merci, moins I, WLAN 0 et W. Si je ferais plus grand que, le plus grand que, je vais perdre des data en fait. Ouais, je vais avoir une perte de data. Si, peut-être que si j'ai, avec l'information uniquement présente, ça
pourrais peut-être faire le travail, mais si je veux faire des augmentations pour avoir l'ensemble des packages qui transigent, le plus grand queue n'est pas suffisant. Le W va prendre l'ensemble du data. Dump. Dump. Là, je vais juste voir. Yes. Bon, pendant qui. Donc là, je sniffe le trafic, port 80, parfait. Cyrus, tac-tac, il fait la redirection. Parfait. Là, si je regarde. Ok. Je vais le fermer. Bien sûr, l'avantage de ça, c'est que je pourrais faire mon TCP dump sur un serveur distant, donc qui peut être n'importe où dans le monde. Et quand j'ai fait mon dump sur le serveur, je récupère ce fichier et je l'analyse sur mon poste. Donc, je suis pas obligé d'installer les applications graphiques sur le serveur, mais je le conserve uniquement sur ma machine. Wireshark, qui a changé de nom avant, c'était Ethereum. Et voilà, maintenant je vois grosso modo le même trafic, mais là on voit il l'a mis plus bas, plus beau. Et je peux en faisant un right-click faire un follow TCP stream. Bon là j'ai pas grand-chose parce que j'ai juste fait une requête donc on voit pas grand-chose. Mais oups, pourquoi il l'a pas mis? Attends, hop. On voit que j'ai des petits problèmes de transmission d'ailleurs. Ok, donc là on voit un petit peu le trafic en bas, le contenu. Et là je vais refaire ça. Follow TCP stream. Pourquoi j'ai pas le contenu? Dump. Est-ce qu'il l'a re. Ouais, mais je me serais attendu à ce qui me le suit. Ah non, mais là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il passe 3 à la numéro de séquence. Ouais. Ça peut donner de rien. 30 paquets. Non. Parce que, en fait, ce que je m'attendrais à avoir, je sais pas. Ce serait avoir un contenu comme ça, en fait, où on voit. Le trafic de la requête qui s'est passé avec mon là j'ai la redirection là vers le CMS là. Je suis étonné qui me permet de voir vraiment la requête mais j'avais pas fait de d'option spéciale. Je sais pas. En tout cas, je vais pas bloquer là-dessus. Parce que c'était vraiment pour montrer. On reviendra là-dessus. Ou quand on pourra sniffer le trafic SSL avec Wireshark, là. Ça sera plus intéressant, là. Là, ça s'est bien fait parce que j'utilisais toujours le port 80 ou j'utilisais du moins une communication avec le browser. Donc, mon client était simple à utiliser. Par contre, si on a une application native ou je sais pas une application qui serait un petit peu plus bizarre, je pourrais pas nécessairement moi-même faire les tests ou alors ça c'est possible que l'application que le développeur il a fait là soit buggée là. Hein? Mais là, il va me dire que c'est le réseau. Donc là, moi, je suis pris entre les deux à dire comme quoi, ben moi, ça a l'air de bien marcher, mais toi, tu es sûr que ton application elle est bonne. Avec Telnet, ça va me permettre de faire une enlevée de l'équation, donc de l'ensemble de la communication. Je vais pouvoir enlever de l'équation l'application du client. Donc à ce moment-là, ici quand je fais un Telnet Google, bah ça me permet de, si mon Firefox ou mon Chrome ou peu importe a été buggé, il avait un problème, bah j'ai enlevé le navigateur de l'équation et là je vois que au niveau de la réseautique, donc vraiment de la tuyauterie de la communication elle est passée. Donc après je peux blâmer soit mon browser ou je peux vous travailler sur la vraie source du problème. Donc si on regarde, hop, Telnet. Google.com 80. Donc là, on voit ici à ce niveau ça, mais le tree handshake qui s'est fait. Donc l'établissement de la connexion, j'ai communiqué avec le serveur m'a répondu et je lui ai dit, ok, c'est bon, on est copains, on s'est serré la main.
C'est. Est-ce que je sais que je l'ai mis un peu plus bas. Je l'ai mis un peu plus bas. Toute communication se fait comme ça sur Internet. Là. C'est le train check. Ah, ça c'est la fin. Sin, sin. Ah non, ça c'est pas le bon. Pourquoi j'ai mis ça là, moi? On va remonter alors. Ça c'est la fin de la connexion. J'ai pas pris la bonne image. J'ai dû aller encore vite quand j'ai fait ça. Ça c'est la bonne image. Yeah. Donc ça, toute communication sur, pour TCP se fait comme ça. J'ai le client qui dit SYN. Le serveur dit j'ai bien reçu. Il dit SYN ACK. Et le client dit ACK. Et là, à ce moment-là, le tunnel il est fait. La connexion TCP est établie. C'est toujours comme ça. Et s'il y a des problèmes de communication, quand ça time out, généralement, comme on avait vu tout à l'heure quand je poulais 80-80 de mon site, bah lui, il a envoyé SYN, il attendait, j'ai perçu SYN ACK, il renvoyait. Donc, c'est ça à chaque fois qu'on voyait dans la communication. Et s'il y a des problèmes au niveau du paquet de retour, bah on peut voir ici où ils ont une séquence. Lui, il dit 1, il dit ah, ok, ben j'ai répondu, je réponds SYN ACK avec de ton chiffre 1 et ils augmentent comme ça la valeur de la séquence. Donc ça permet de s'assurer qu'ils communiquent bien. Okay. Après, si j'ai un protocole connu, libre, comme par exemple HTTP, je peux même lancer mes commandes manuellement à l'intérieur. Donc là, on voit, j'ai fait un GET. J'ai tapé get slash, lui il m'a répondu ce qu'il renvoie normalement au browser quand il lui envoie ça. Donc ça me permet même de faire un test passant. On peut même le faire avec sur le port 25, là je sais pas si j'ai fait. Ouais. Là il est bloqué ici, là, mais là c'est pour faire l'envoi d'un courriel, toc toc, from, tout. Ça me permet de faire un test passant en envoyant tout logiciel qui réalise l'opération. Bon, ça c'est possible vraiment quand le protocole il est simple, comme HTTP ou le courriel. Là. Dès qu'on tombe dans une application, s'il y a du SSL, etc., ça devient un peu plus compliqué. Je dis pas que ça se fait pas, mais c'est un peu plus compliqué. C'est bon? Donc ici je fais un exemple de connexion où là ça marche pas, il va faire un connection timeout. Donc contrairement à plutôt où ici j'avais bien connected, etc. Ici au niveau du timeout, j'ai uniquement les trois petits points, puis on va voir, c'est en mode attente, comme pour le port 80. Hop. Donc là, on attend parce que les signes sont envoyés, les signes, j'ai jamais de SYN ACK. Tout est dans mon firewall qui récupère ça. Ok, ah j'ai pas mis. Donc là, disons que on voit le trafic, la résolution elle est bonne. Je vois le trafic passer. Le port il est bien ouvert, mais il y a quelque chose qui se passe pas ou je veux pouvoir faire un test indépendant ou j'arrive pas à déterminer. On peut utiliser la commande NC qui va me permettre de écouter sur le port pour faker en fait la présence. Il peut avoir d'autres aussi utilisations. Imaginons que vous déployez une machine puis que il y a un CSI, donc un groupe qui va déployer une application sur le serveur. Vous avez ouvert plusieurs firewalls puis vous voulez le tester avant qu'il passe dessus, mais les applications sont pas encore présentes. Mais bon, là ce que je voudrais juste c'est ouvrir le port 80. J'ai pas envie d'installer Apache parce qu'ils vont peut-être pas utiliser Apache. Bon, avec NC ça va me permettre de faire ça, de avoir accès à un port. Oups, ouvrir un port. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai dû quitter le mode Zen. Bon, c'est pas grave. Ah, presque fini. Donc si on regarde ici, je fais un sudo nc-l, donc listen, sur le port 80. Ici, je suis obligé de faire sudo, pourquoi? Parce que les ports entre 0 et 1024 sont des ports réservés, il faut être administrateur pour pouvoir les ouvrir. Donc c'est pour ça que j'utilise la commande sudo. Dans le cas d'un port 80, je n'aurais pas été obligé de le faire.
Donc si on regarde, si je réalise l'opération, and set, pour les besoins, je vais le mettre, je vais faire un netstat, NTP, je vais regarder ce qui est ouvert. Ouf, j'ai fait beaucoup de tests, donc je regarde, le port 80 n'est pas ouvert, sudo nc-l-p 80 moins p, excusez. Donc là actuellement, sur le port 80, c'est ouvert sur ma machine. Si je prends une autre, si je refais mon netstat, stat-ltp, grep 8080, effectivement, le port 8080 est bien ouvert par l'application NC. Donc là maintenant, je peux prendre une autre machine, comme ici, la machine de Ghislain. Et si je fais un telnet sur le port 80, 42, 10, 80, 80, il a établi une connexion. Bonjour, test. Et si je regarde, donc j'ai envoyé bonjour test, parce que le B il s'est pas fait. Si je vais ici, hop, ici je vois bonjour test. Donc ça me permet vraiment uniquement de faire un test passant, de voir que la communication 1, le firewall ou tout ce qui pourrait être entre le client et le serveur a bien laissé passer mes paquets. Le TrueAnSHA avec la connexion TCP c'est bien fait. Et en plus les paquets passent bien de l'un à l'autre. Pas de problème là-dessus. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus cool, je sais pas si vous avez déjà CTRL-D. Je vais fermer le telnet là. Donc là il a fermé. Bon, ça, j'ai fait 2-3. C'est que je peux même faire cette opération sur du UDP. Ok, ça là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de débloquer du UDP là, du SNMP, c'est le bordel, parce que c'est stateless. C'est-à-dire que je ne peux pas vérifier que le tree and shake s'est établi, parce que le protocole, c'est ça, il attend pas de réponse de l'autre serveur. Il envoie l'information, puis il se dit, bon ben, il va le recevoir là. J'ai pas d'accusé de réception. Donc quand il y a un firewall qui est entre les deux, ben le problème c'est que ça prend énormément de temps de réussir à détecter la problématique. Le problème, évidemment, c'est que je ne peux pas utiliser Telnet là, parce que Telnet, c'est uniquement du TCP. Mais je peux utiliser NC pour faire l'opération. 42, attends, juste un instant, parce que là, j'ai un doute sur le... Ouais, c'est ça, la syntaxe. J'en fais pas tous les jours. NC, L, L, U, L, hein. Résultat, U... Ah, j'étais pas loin. U, L... C'est pas, il y avait pas de P. Ha! Je suis fort. Test UDP. Donc, et là, si je m'en vais sur l'autre, je vois test UDP qui a été passé. Donc c'est vraiment cool de pouvoir simuler ça, quoi. Parce que ça peut être long à trouver. Surtout le SNMP, c'est là qu'on voit surtout. Sinon, c'est NC ou apt-get, NC ou netcat. Là. Ça dépend de ton... Généralement, il est déjà présent. Jamais essayé. Probablement, je pense que oui, mais il faudrait juste l'essayer. J'ai jamais essayé multicast avec NC. Il faudrait faire une recherche, là, juste pour confirmer. Ouais. Ce qu'il peut faire comme serveur du groupe. En tout cas, il faudrait faire une recherche. Il faudrait faire une validation là. Je pense que oui. Je pense que les Viata l'ont, mais à vérifier quand même. Là. C'est probable que tu dois donner le full path. Là. Mais tu sais, sur les Viata, là, ça se fait, le TCP down se fait super bien. Là. Ah ouais. Tu peux même l'exporter, parce que tu sais, Viata a pas le Wireshark, mais tu peux l'exporter dans un fichier et récupérer ce fichier-là. Ouais, ouais. Surtout pour le UDP, quoi. Parce que sinon, tu as le Telnet là, pour faire l'opération. Mais si le NC pour écouter sur un port aléatoire. Donc ça, c'est bien aussi, là. Tu sais, parce que, en fait, tout à l'heure, avec Telnet, on a enlevé l'équation, l'application client.
Mais tu sais, ça serait possible aussi que le serveur à l'autre bout, là, sur le port 80, là, il rejette toutes les connexions. Surtout si c'est... Bon, là, je donne un exemple du serveur Apache qu'on maîtrise, là, ou IIS, là. Mais si c'est une application homemade, fait maison, peut-être tu sais pas le code qu'il y a en arrière. Peut-être que dès qu'il reçoit une connexion, il y a un bug, puis hop, il le drop, ou il n'arrive pas à faire une corrélation. Donc, au moins, si tu dis, OK, bon, regarde, j'arrête ton application, je pars NC avec qui écoute sur le port, puis là, on fait un test avec... Donc, on a enlevé... l'application client, on a enlevé l'application serveur, puis là on fait juste tester la communication là. Après c'est sûr que s'il y a un firewall, un Cisco ou peu importe, bah là au moins tu sais que bah, tout dépendant aussi. Moi j'ai dû énormément utiliser ça quand j'étais pas maître du réseau, en fait j'étais obligé de passer par un autre groupe, l'équipe réseau, qui eux avaient le contrôle. Je pouvais même pas me connecter sur les switches pour visualiser le contenu. C'était pour des questions de sécurité qui faisaient ça, que ce soit les groupes indépendants entre les gestionnaires de serveurs et les gestionnaires de réseau. Mais ça au moins ça me permettait de valider l'ensemble avant d'ouvrir un appel, avant de commencer à confirmer. On va finir rapidement avec NC, parce que NC c'est vraiment cool, mais c'est super dangereux aussi. Ici en fait avec NC, je pars NC, donc sur un port qui est au-dessus de 1024, et je lui dis, ben, quand tu vas te connecter dessus, ben, démarre l'application Bash. Et aïe, j'ai un shell sans authentification sur la machine. Yeah! Succès! Ouais, mais c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils viennent au cours, comme ça après, t'as des petits trucs comme ça, qui sont cool. Entre les SSH et les Port Forward, là. Hop, donc là. C'est sûr que t'es pas route, là. Attends, je vais faire. Moi. Ah, ça, j'ai pas la même version, moi, sur mon petit laptop. Attends, je vais juste voir. Moins P. Moins L. Hein, il est pas sur. Non, ça c'est que sur mon. Quand je suis dans le train, j'ai Arch Linux. Ouais, c'est une autre distro Linux. Ah, ok. Attends. Ouais, non, c'est ça, c'est l'option L. Ah, this is open package, c'est aviable. Ah, c'est ça, c'est. Oh, c'est nul! Ouais, c'est le E qui veut pas. C'est dommage. Ouais, je peux pas démarrer une application avec NC. Ouais, un, 4. Ok, ouais. Sash pipe. Bon, voilà, ça se fait alors. Ok, ouais, eux ils le font avec. Ouais, c'est ça. En fait, là c'est plus compliqué. Là, ce qu'ils font, c'est ils créent un fichier. Bon, on va le regarder rapidement là. Ils créent un fichier first in, first out. Okay, donc un FIFO, là, l'équivalent d'un socket. Il fait un cat, donc il affiche le contenu de ce fichier. Donc là, ce fichier-là, quand tu fais un cat, il est juste en attente que quelque chose rentre dans ce first in, first out. Apparemment, il pipe ça avec un shell interactif, il l'écoute sur, puis il renvoie vers le fichier, et avec l'autre, il se connecte. On va l'essayer. J'ai pas besoin du RM. Quand même, là. Test. Ok, donc là on voit, si je regarde, si je fais un cat de ce fichier, donc là on voit, il est en attente. Donc Gaillette, on va faire l'explication, là, ça sera plus intéressant que juste montrer que ça marche. Echo Toto, désolé pour ceux qui seront en retard. Hein, je fais Echo Toto, maintenant, hop, il a affiché Toto à l'intérieur. Donc là, il attendait que j'ai une opération qui se passe pour se réaliser. Et là, normalement, il devrait toujours être là, parce qu'il ne s'efface pas. Parfait. On va copier-coller ça, parce que c'est très beau. Copie.
space, moins p, 1, 2, 3, 4. Parfait. On va vérifier maintenant que ça écoute bien. Oups. 1, 2, 3, 4. Yeah, NC, il est bien là. Et maintenant, si je me connecte. Donc là, je suis sur l'autre machine. 68, 42, 10, 1, 2, 3, 4. Quoi? Ah, merci. LS. Ah, il le prend pas. Il y a un bug. Putain, on voit bien le chien. Attends, là, il a dû fermer, non? Ouais, mais ça change. Ouais, mais j'ai pas mis le U là. Ouais, mais. Non, c'est ça. Ah, je regarderai. Ah, c'est dommage. C'était cool quand même. La chine. En tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même transférer des fichiers avec, là, où là, il lit, puis là, il reçoit un fichier, donc ça permet d'ouvrir un port temporaire pour juste faire un transfert de fichiers d'une machine à l'autre. Parce qu'il va le prendre en brut, là, parce que quand je tapais « Bonjour, Echo », il l'affichait à l'écran, mais si je redirige ce résultat-là vers un fichier, ça me permet de faire un transfert de fichiers. Donc ça peut être pratique. C'est sûr que c'est pas optimal, hein. J'ai pas de compression, j'ai pas de chiffrement, j'ai pas en deçà puis SCP, on se demande là. Mais ça permet quand même de faire un transfert de fichiers avec des ports connus là. Donc si j'ai un firewall, je pourrais toujours éteindre la page, transférer mon fichier, redémarrer la page vu que le port il est ouvert, mettons. Ou alors on peut même faire un clone du disque dur SDA en ouvrant, hop, il fait un DD, hop, qui envoie le fichier. Donc là, je vais cloner la partition. Ben, la SDA, ça va peut-être être risqué parce que c'est la partition principalement principale. Là. Donc peut-être SDB, ça serait mieux. Mais donc là, il va faire le output dans le device qui est là en prenant le contenu. Puis hop, il va le prendre de l'autre côté. Voilà. Puis après, on regardera plus en détail TCP dump là, éventuellement. Oui. C'est ça, sur le shell 1. C'est le... Ouais. En input, vers là.